je dis non. Salut chérie, je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle, je vais bientôt rentrer à la maison, oui! Oh. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan, tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. N'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu associes, reste à l'écart. Allô? Salut, c'est Ethan. Ça va? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Ouais. Ouais, je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle est pas morte. Elle est vivante. Elle est de retour. On l'a retrouvée? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Écoute. Je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvy. Delvy en Louisiane. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Alors, on est parti, ma chère amie. C'est parti. Sur Resident Evil 7. Bien. Alors là, attention, j'ai voulu le faire absolument en compagnie d'une femme. Évidemment. Comme ça, je sais sur quelle épaule je vais pouvoir me recroqueviller si j'ai peur. Donc, alors déjà, bon, voilà, quand tu vois une baraque comme ça, moi, ça ne m'inspire pas forcément super confiance. Non, on est en Louisiane. D'accord. Grosso modo, comme on l'a vu dans l'intro, en fait, le type pensait sa femme disparue depuis 2 ans. Mm-hmm. Et là, il a des nouvelles, mon Dieu, elle est là, elle est vivante. Ça va introduire dans une... Donc là, voilà, on a trouvé un van de... Femme de quoi? De pédophile? Ou de prostituée. Accepte son don. Donc là, on est en Louisiane, donc ce qui explique la végétation un petit peu tropicalesque. Mm-hmm. C'est beau. Moi, je trouve ça... Oh, okay. C'est quoi, ça? C'est beau. Là, le bayou, tu vois, un beau panorama sur le bayou. Donc, Resident Evil, on en est déjà au 7e épisode. Alors moi, je suis un gros spécialiste du Resident Evil. Tiens. Voilà. Ce genre de truc, ça fait flipper, parce que ça surprend. Donc là, déjà, je ne sais pas ce que... Genre, on dirait une vache qui a été éclatée. Par le fion. Donc, oui, donc 7e épisode, donc moi je suis un grand fan, je les ai tous faits, quasiment, je pense que les Gun Survivor, c'est les seuls que j'ai pas fait, qui étaient complètement hors série.
Donc, on a commencé, donc je ne sais plus, c'était dans les années 90, à la moitié des années 90. Donc là, on a retrouvé le permis de sa femme. Les années 90, donc on a vu l'essor du survival horror. Resident Evil, qui était déjà un truc librement inspiré en fait, d'un jeu français qui s'appelait Alone in the Dark à l'époque, mm-hmm. qui était avec des plans fixes. Putain, je ne peux plus sortir. Donc, qui était avec des plans fixes. Et là, on est progressivement arrivé à partir du 4, en fait, vers un jeu qui était beaucoup plus action, avec une vue de dos pour le tir. Et donc là, on était vraiment parti sur des jeux d'action avec des scénarios what the fuck, un scénario complètement nanar, etc. Et là, on est passé en vue FPS, c'est-à-dire vue subjective. Donc, un jeu complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Resident Evil, mais qui revient à ses racines, le survival horror. D'accord. Oh. Ah. Ah. Donc là, il y a plein de petits détails, c'est... Ah, on s'y croirait en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un corbeau qui crie en haut. Donc, on ouvre le frigo? Ah bah, j'ai peur. On dirait qu'il y a un fromage bien fait qui reste un peu longtemps dans le frigo. C'est horrible. Donc voilà, bon. On revient au survival horror pur et dur. Alors il y a vraiment toute une ambiance. Hein. Les petits cafards, les trucs comme ça, c'est vraiment plein de trucs, plein de petits points de détails qui te plongent dans l'univers, qui te mettent dans l'ambiance. Ça c'est un gros point positif. Il existe aussi une version VR, donc nous on fait pas dans la VR. Un tableau là, soulève-le pour moi. On peut pas. Ah ouais. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est que la VR. Non. C'est les casques de réalité virtuelle en fait que tu mets et t'es totalement en immersion, tu tournes la tête, oui. Voilà. D'accord. Donc. Voilou. Donc là en VR ça fait très peur, enfin j'imagine parce que j'ai pas testé la VR, mais personnellement Ah bon, t'as pas le droit. Et en fait là, on joue en version classique. Mm-hmm. Alors, où est-ce que je dois aller? Je sais plus. On joue en version classique qui est déjà plutôt flippante. Hein. Enfin, moi, déjà, la vue façon comme ça dans le noir. Oui, c'est pas rassurant. Tu t'attends à tout moment à voir quelque chose te surprendre. Donc, alors, où est-ce que je dois aller? Je me rappelle plus. Mais je vais pas pouvoir t'aider en plus. Ah oui, tiens, je sais pas si c'est une bonne idée de monter, mais bon. Il n'y a pas de courant, ça fonctionne pas, il n'y a pas de courant. Et donc voilà, donc ça fait peur. Moi qui suis quand même rompu aux films d'horreur, aux jeux vidéo d'horreur, je veux dire, j'ai tout vu. Hein, les pires trucs. Les sauts. D'ailleurs, ouais, y a une grosse banque de références dans ce jeu. Hein. Ça va de Saut à Massacre à la tronçonneuse, Le Pros et Blair Witch. Voilà. Donc il y a toutes ces références-là. C'est très intéressant. Au moins sur cette partie-là. Après, il y a des choses que je vais expliquer, où je suis plus nuancé sur ce que ça vaut. Alors là, voilà, c'est un truc intéressant que tu vas voir tout de suite. Quand on met une cassette vidéo dans le magnétoscope, on bascule, en fait, sur ce qui a été filmé dans la cassette vidéo. Arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Donc on se met à la place des protagonistes. En l'occurrence, là, c'est les chasseurs de fantômes qu'on a vu, dont on a vu le van un quart d'heure plus tôt, en fait. D'accord. Alors, sois pas étonné si on doit le virer.
Donc voilà, le grain est encore plus dégueulasse, c'est encore plus, plus tendu au niveau de l'atmosphère parce que... c'est surtout que, voilà, je pense qu'on sait tous les deux comment va potentiellement se finir ce genre de... En horreur, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, on va voir leur triste sort arriver, quoi. Toutes nous en étant témoins. Exactement, exactement. Donc là, vraiment, c'est ambiance film d'horreur. Moi, personnellement, honnêtement, je serais déjà arrivé devant la baraque, j'aurais déjà fait demi-tour et j'aurais appelé les flics pour demander un mandat de perquisition. Plutôt que de rentrer là-dedans. Mais visiblement, il y a des gens qui sont des malades mentales dans leur tête et qui veulent absolument rentrer dans le truc. Ils se disent aventuriers et. Non, moi, je ne suis pas aventurière comme ça, moi. C'est quoi l'histoire aujourd'hui ? Alors là, on attaque vraiment dans le scénario la partie la plus intéressante du jeu, vraiment la partie très très glauque, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de ce Resident Evil parce que ça revient aux sources du survival horror dans son ensemble. Moi, je suis plus nuancé. Pourquoi ? Parce que j'ai connu les premiers Resident Evil, ils étaient vraiment excellents, avec un niveau d'épouvante et de très 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 important. Le scénario nous tire en haleine vraiment les premières heures du jeu et après tombe vraiment en déliquescence, un truc de fou. C'est beaucoup beaucoup plus standard, beaucoup plus convenu, un peu. Ça manque de subtilité, clairement. Parce que vraiment au début, ça augure vraiment d'un truc. C'est une ambiance bien tendue, puis au final, c'est voilà. Pas. Bah, en fait, le soufflé redescend un peu. Ouais. Donc. Après, voilà, les gens sont contents du retour aux sources, comme je disais, mais il faut savoir que quand même, le sixième épisode de Resident Evil, on n'était pas. Je crois qu'ils se sont perdus là. Je crois qu'il y a un débat qui a disparu. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et donc, ouais, on pouvait pas être plus éloigné en fait d'un survival horror dans le dernier volet. Il était très long, celui-là est beaucoup plus court. Et je trouve que ça a beaucoup cannibalisé aussi les films d'horreur, donc des références comme Massacre à la tronçonneuse, Saw, etc. Sans vraiment rajouter quelque chose de nouveau. En tout cas pour les gros connaisseurs d'horreur, tu vois. Et là où ça m'embête aussi, c'est qu'ils ont un peu cannibalisé les précédents Resident Evil, quoi. Je veux dire, je mettrai la description dans la description de la vidéo, vers la fin de la vidéo pour pas spoiler tout le monde. Clairement, il y a des boss qui ont été... Ça, c'est flippant, par exemple. Il y a des boss qui ont été réutilisés. Ouais, tu vois, là au niveau, c'est très très sombre. T'imagines en VR, quand t'as juste le casque et tu tournes la tête et que tu vois. Moi, je fais des crises cardiaques, c'est sûr. Hein. Moi, je supporterais pas. Hein. Déjà, bien confortable dans mon canapé, bien coucouné à la maison, je flippe. Alors là, c'est pas possible. Ouais, moi, je te dis, je suis un peu blindé, donc. C'est pas possible, je rêve. Ah non, mais va pas là-dedans, t'es un taré, toi. Tant pis pour l'émission. Bon, là, c'est un peu plus long, voilà, c'est... Parce qu'on peut, techniquement, le jeu a été aussi conçu pour les speedrunners, il peut être fini en moins de 4 heures. Mais, bon, faut vraiment rusher comme un malade, quoi. Donc je disais aussi beaucoup de recyclage un peu de boss des précédents épisodes. Je donnerai la liste plus en fin de vidéo, en descriptif de commentaire, pardon. Faible variété d'ennemis aussi, j'ai trouvé. Ouais. Et ça c'est. Voilà. Donc le jeu tient véritablement sur son ambiance poisseuse dans les premières heures. Alors ça c'est une référence déjà à un film. Mais ça c'est le pote ça. Ah ouais. Il manque quelques dents. Oh mon dieu. Oh. Ah puis comme par hasard. Vous avez eu peur. Ah ouais, bon.
Mais tu vois, ça met, ça vous met dans l'ambiance. Oh, ça, oui. C'est sûr. Donc là, toi, tu viens de mettre une cassette comme ça et tu te dis, je suis dans cette même maison. Exactement. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais aller pile à l'endroit où les deux connards se sont fait massacrer. Bah oui, évidemment. C'est super logique. Alors là, moi, personnellement, je commence à attraper les trucs dans la cuisine et je commence à défoncer la porte. Hein. Sauf que ça arrêterait le jeu tout de suite et que ça tue tout l'intérêt, quoi. D'ailleurs, voilà. C'est... Non, mais je veux dire, là, le mec, il cherche quand même les emmerdes. Là, il peut pas remonter. En gros, c'est vraiment pas de bol parce que t'as deux mecs avant qui a réussi à descendre sans problème, puis... Non. Ouais. Là, ça se brise, quoi. Bon, visiblement, on sait ce qui s'est passé là. Ouais. Ah, c'est encore plus glauque. Oh. En plus, faut se foutre, non, mais... C'est la fausse sceptique. Oh, génial. J'avance plus. Non, je suis sur le mur là. J'ai fait demi-tour là ou pas? Je sais plus. Alors là, je suis complètement perdue. Je sais pas, t'es une... vraiment besoin de passer par là. je dis ça comme ça, hein. Il faut croire. Tiens, je crois que je me suis paumé. Oui. T'as entendu un truc? Oui. J'ai l'estomac qui gargouille. À moins que tu fasses des pets dans l'eau, je ne sais pas ce que c'est sinon. Oh, quelle horreur! ça, c'est une petite référence à mon avis aux Dents de la Mer, mais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on est arrivé au cage à poules. Oh, super, les toilettes. Oh, oui! Truc de Camille. Toxico. Mia. Allez, allons-y pour le coup de boulon. Bon, maintenant on a retrouvé sa femme. Ah. Alors tu vois, ça c'est un truc qui me gêne un peu, je trouve que les cheveux sont un peu zarbis. Être là. Par rapport, je sais pas. Toi qui m'as appelé. Non, je te jure. Ils sont bizarres, je vous prends. Les cheveux, ils sont un peu. T'as vu? Qu'est-ce qu'il t'a vu? Je sais pas, ça fait fou par rapport au réalisme du reste. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je me dis. Il y a un petit. On a l'impression qu'on lui a implanté une perruque sur la tête. Ouais, c'est ça. Ça fait synthétique en fait. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? On va essayer d'arriver un peu plus loin quand même, parce que là on n'est pas encore plongé dans l'horreur, mais faut y aller. Là, vous voyez, là il y a vraiment une histoire, quoi. Là, on comprend que. Jolie fesse. Ça fait 3 ans qu'elle a disparu, mais apparemment elle a perdu la notion du temps. Bon, allez, faut y aller là. Dépêche. On doit d'abord sortir d'ici. Sans déconner. Sans déconner. Je crois que c'est par là, mais non, c'est pas. T'es sûr? Oh, mais bien sûr. À mon avis, quelqu'un a fait du bricolage. Oui, avec des humains. Pas avec des clous et une planche. Oh, dis donc. Oh. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je
te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Allez, 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 avance, avance, cours. Mia, tu es sûre de savoir où tu vas? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. C'est un petit poil longué, là. C'est vrai que ça met un peu de temps à... Alors, d'accord, ça fait partie des moments un peu flippants, un peu intrigants. Mais quand tu joues, C'est là. C'est cool. D'accord. C'est ici. Bon, tu donnes un coup de latte ou quoi? Allez. Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Putain, elle a déjà disparu au bout de 2 minutes. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Ouais, et puis là... je crois qu'elle est morte. Hein. Là, faut pas se faire d'illusions. C'est bon, ouais, y a personne au téléphone. Ouais, y a personne au téléphone, bande de connards. Quand on commence à se taire, c'est que c'est pas bon. C'est-à-dire que, vu le bruit que j'entends, c'est pas un monstre sympa. Ah là là, elle s'est transformée. Oh la vache. Tu commences à te transformer aussi. On se calme. Ah, non. Aïe. Quelle horreur. Attends, arrête. Oh là là. Putain, mais... il va me foutre la paix, oui. Oh là là. On se calme, ma poulette. Ah, vache. Exorcisme, mon dieu, elle est possédée par le diable. C'est elle en fait qui fait tout ce bazar dans cette baraque en fait. Oh bah dis donc. Bon, madame a décidé. Madame a décidé de se faire très mal. Bon, faut que j'aille où là? Bah faut que tu sortes de cette maison. Voilà le truc. Oh putain, ça recommence. Oh! Aïe. Il
bien. On récupère. C'est jamais tout à fait mort ces machins-là. Hein. Non, mais là, ça sort du cœur. Hein. Et du corps aussi. Tu te rends compte, il est venu chercher sa femme, il l'a tuée. Ouais, c'est vraiment pas de bol. Ah, c'est plus que pas de bol, c'est même. Voilà. T'es sûr qu'elle est vraiment morte là? Bah, je sais pas. Attends, on téléphone. Allô? Allô, allô? Il n'aurait pas dû venir ici. Sans déconner! Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Bien sûr. Le grenier. Vas-y. Maintenant. D'accord. Alors, tu vois, elle est plus là. Ça craint. Mais comment ça, ça craint? Mais non, tout va bien. Bah non, tout va bien, elle a disparu, il n'y a plus la hache. Non, tout va bien. Ouais, tout va bien, ça roule. Une arme. J'ai un petit doute. Alors, c'est par où? Je pourrais pouvoir sortir par le grenier, ouais, mais où est-ce que je dois trouver le... Un remède de premier soin, c'est toujours bon à prendre. Le plan de l'annexe, c'est toujours bon à prendre. Ah oui, je sais ce que je dois faire. Heureusement que je me rappelle quand même au bout d'un moment. Oui, vaut mieux tard que jamais. Donc tout va bien, non? Voilà. Puis là, il y a des armes. J'espère pour toi. Ouais, il y a de la lumière. Il y a le fuit. On va remettre le courant parce que là, ça devient assez pourri. C'est très sombre. Tu vois, on fait pas mal d'allées et venues aussi. C'est ça un truc de Resident Evil. Il y a des énigmes à la Resident Evil avec plein de trucs, des portes avec des serrures pas possibles. Enfin, on demande comment des gens normaux ont des trucs comme ça. Dur, dur. Ethan, ça va aller. Super. Tu m'as fait peur, toi. Oh là là. Mais putain, c'est quoi ton putain de problème? Ça fait putain de mal. Ah, et qu'est-ce qu'il y a là? Alors, on est reparti. Donc là, on a une petite coupure son parce que le caméscope n'a plus de batterie. Donc là, Julie a hurlé en voyant la main se faire couper. Et puis, alors, c'était fait de son, là. Alors, tu vois, ça, moi, honnêtement, quand il est arrivé ça, j'ai cru
J'ai cru que j'avais le game over. Quand il m'a coupé la main, je m'imaginais pas. Et quand j'ai vu que le jeu continuait, oui. J'ai eu un moment de panique où je me suis mis à courir dans la cuisine, etc., pour trouver un moyen de me cautériser le bras. Enfin, c'était juste ouf. Et finalement, faut que tu restes comme ça. Et pour l'instant, faut que je reste comme ça, oui, parce que j'ai pas trop le choix. Donc là, là on est arrivé dans le grenier. Donc là, non, c'est parce que j'ai mis le courant, voilà. J'ai mis le courant. Oui, moi, je pensais qu'il y avoir plus donc, de lumière, du coup. Comme on va bientôt, je pense, être encore coupé avec la caméra, je me dépêche vite pour vous montrer vite fait le maximum de trucs. Donc là, voilà, j'ai quand même un flingue. Mais maintenant, j'ai plus de main. Et honnêtement, au début... Pour charger, comment tu vas faire? Bonne question, mais... J'y ai pas pensé en plus. Avec les dents, peut-être. Avec les dents, avec les pieds. faut qu'il enlève ses chaussures. Et en fait, je te jure que la première fois, en plus, j'ai oublié de récupérer ma main. Je me suis dit merde. Et puis, je suis revenu sans mes pas. Il faut que je récupère ma main. Je me suis dit, j'étais à fond dedans, me disant ouais, il me faudrait quasiment le sec avec les glaçons. Quoi. Oh mon dieu. Voilà. Non, voilà, le jeu était très très immersif, je pense que t'aimes bien pour ce côté-là. Non, oui, là je sais pas comment il a fait, honnêtement je sais pas. Bah ouais, bah avec les poches. La poule, il va falloir que tu crèves, parce que 3 balles dans la tête, ça va. Je t'aime. Bah oui, bah écoute, hein. Allez, ça va. Hein. Et si tu prenais la tronçonneuse? Ouais. Moi, j'aurais pris la tronçonneuse. Et je l'aurais fini, je l'aurais coupé en plein de petits bouts. Parce que moi, je suis sûre qu'elle n'est pas encore morte. Ouais, bah... Ah. Je sais pas. Ça se trouve, elle a déjà disparu. Je sais pas. Bon, allez, on va... Bon. Bon, nous allons. Ah, bon, on va s'arrêter là, hein, je crois. Attends. Bon, bah, vu qu'on s'est pris une grosse latte, sur ces bonnes paroles. On va finir sur un petit repas. Allez, on va finir par un bon petit dîner. Une bonne bouffe. Alors, ah oui. Alors, tu vas voir. Je suis pas encore mort, mais à mon avis, il va m'arriver des briques. Donc voilà, le jeu, vraiment pas mal. Enfin, pour un fan absolu de Resident Evil qui a connu les premiers, etc., c'est un bon retour en source, mais c'est pas le truc exceptionnel qui va nous faire planer pendant des lustres. C'est bien, mais faut confirmer l'essai avec le 8, à mon avis. Parce que vraiment, bon, toi qui découvres la saga, je pense que... Ah, moi, ça m'impressionne déjà beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On va finir donc sur cette petite... sur la petite scénette que... suivante. Qui peut-être en passe de devenir un peu une scénette culte, d'ailleurs. Allez, debout les paresseux, c'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Oui, Mia. Mange, c'est bon. Bon, nous, on va vous dire au revoir. Je tenais absolument à te montrer ça avant de partir. Je suis pas sûr d'avoir envie de rester pour dîner. Ah! Mon merci, mais mon merci! Bon, donc ça fait peur. Tu confirmes, ça fait peur. C'est un jeu qui fait peur. Ah ouais, donc du coup, tout le monde est vexé parce qu'il mange pas. C'est être un festin très spécial. Nous, on va se dire au revoir, mais tu juste... Ah.
Il lui a fait quoi aux dents? Il lui a enlevé quelques dents, hein? Ah, vous vous rendez pas compte, mais là, Juju est dedans, en fait. C'est pas le garçon. Ah, complètement. Donc, on confirmera, ce jeu fait peur. Ah ouais, jeu... non, mais il est impressionnant, vraiment. C'est... Pour moi, c'est même entre le jeu et le film. Donc, vraiment. Nous, on va vous dire au revoir, parce que là... Oui, on est en train de me perdre. Je pense que je vais lui passer la manette. Et elle va hurler pendant au moins... C'est ça. Je vais jouer à me faire peur. Bon, je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. Voilà, je pense que là, elle est dedans. Donc là, je pense que déjà, c'est un bon signe de qualité. Oui. Allez, nous, on vous dit à la prochaine fois.